Salut tout le monde, c'est PeriGamer. On se retrouve enfin pour le dernier épisode de Zelda Majora's Mask 3D. Alors je ne sais pas s'il y aura un GMV, si vous en avez vu un ou s'il n'y en aura pas un. Hein. S'il n'y en aura pas un, je suis désolé les amis, je suis navré. Mais s'il y en aura eu un, bah je suis content. Tout simplement. Donc il est temps de boucler notre aventure. Il y aura un épisode bonus. Je vais vous le dire juste pourquoi après. On va pouvoir lui parler. C'est parti. Trois petits points. Tout le monde est parti. Voudrais-tu jouer avec moi? Ah, j'ai joué avec 4 personnes. Ouais, d'accord. Il ne te reste plus de masque à me donner. Ah bah ouais, ah, je suis désolé. Bon, on va trouver un truc à faire. On peut jouer aux gentils contre les méchants. Oui, super. Jouons à ça. Vous obtenez le masque du dieu démon. Est-ce un masque de méchant? Voici le dernier masque, les amis. Le masque du dieu démon. Le masque que vous avez vu dans Hyrule Warriors. Le masque le plus puissant du monde. Et j'exagère pas. Ah ouais, ah franchement, là... Donc voilà pourquoi je ferai une vidéo bonus. C'est pour... J'utiliserai ce masque-là pour une vidéo bonus. Vous inquiétez pas, je la tournerai, c'est promis, juré. Ah là là, est-ce un masque de méchant? Entre les deux, j'irai. Vous ressentez une incroyable puissance et cachée qui en émane. Yeah. Voici le dernier masque. Le masque le plus puissant de ce jeu. Ah ouais, l'ultime masque. Alors là, franchement... Il ressemble à Link, hein. Énormément à Link. Donc, c'est lui, le dernier masque à transformation. C'est bien lui. Le cinquième masque à transformation, c'est bien lui. Vous verrez à quoi je ressemble dans la vidéo bonus qui arrivera sous peu, vous inquiétez pas. Tu es vrai? Tu seras le méchant. Les méchants, ils s'enfuient tout le temps. Ça te va? Très bien. Bon, on joue. Ah, j'aime bien le dire dans cette voix-là. Moi, j'adore. Ça fait un peu suspense. Vous la voyez, cette musique, hein? Cette musique, on la connaît. La musique des dernières heures. Et elle est bien foutue, en plus. Ah, cette musique. Oh. Donc voilà, voici la reine. La reine qui a complètement changé comparé à la version de 64. Plus belle que la version de 64, je ne sais pas. J'aime bien les deux. Donc voilà. Il est là. Notre cher ami nous attend. Et pour une fois, c'est pas Ganondorf que nous allons affronter. C'est lui. Donc c'est parti. Allez, je suis prêt, mec. On va l'affronter en Link. En Warrior Link. Comme ça. Ah, nos 4 masques. Eh oui, nos 4 masques, en fait, tout simplement, permet d'éveiller le monstre, ce boss final. Le masque de Majora. Ouais, c'est en Link enfant qu'on le fight. Après tout ce qui nous a fait, ce masque nous a piqué notre jument. Nous a piqué tout ce qu'on avait. Qu'est-ce que tu veux dire, Taya? Souviens-toi de tes combats. Quand tu ne pouvais pas affronter ton ennemi de front, il te fallait trouver un autre angle d'attaque. Bien vu. Parce que je ne l'ai jamais affronté comme ça, donc ça va être une première. Ah, yes. Tiens. Oh, déjà sa première phase. Oh, je lui ai fait mal là avec mon escalier. Ah, on va le fight avec notre grosse épée parce que... C'est pas de la tarte. Donc là... Oh putain. Tiens. Ah. Je sais. Pour les éliminer. Parce que là, ils vont être horribles. Ah, eux, ils vont me faire chier, clairement. Tiens, hop, dégage. Tiens. Crevez, bande de pourriture. Ok, 2 masques vaincus. Ouch. Ah, ils aident leur ami, hein. Tiens, hop. Moi, c'est le dernier. Ah, putain. Oh là. On est plus emmerdé. Maintenant, c'est à toi que je m'attaque. Oui, mec, c'est à toi que je t'attaque. Oh, putain. Putain, je peux pas lui renvoyer, dommage. Un peu, ça aurait été bien comme un peu... Ah, les deux sorcières dans Carnival Time.
Ouais, t'es marrant. Ah, foiré. Ah, putain. Bon, je gâche trop de magie. Ça sert à rien, les flèches. Ah, enfoiré. Hey. Tiens. Hop, allez, vas-y. La revanche a sonné, mec. Je te le dis, c'est pas moi qui va périr, c'est toi. Ah, je peux le cramer. Ah, je savais pas. Ah, je peux le cramer. Ouais, c'est la première fois là que je l'affronte comme ça. J'ai un autre moyen, c'est le masque, hein. Le masque, vous verrez, le masque, voilà, ça va être géré, hein. Voici la deuxième forme. Et je le connais, cette forme, hein. L'incarnation de Majora. Ok. Oh putain. Oh oui, oh, tu te calmes. Putain, il m'a violé. Oh, il m'a fait mal. Tiens, tiens. Calmer direct. Ah. Il nous fait de la one watch. Il devient complètement fou, ce masque. Tiens. Tu vas te calmer, sale bestiole. Et voilà. Ouais. Maintenant, sa dernière forme. Là, ça rigole plus, là. Ah ouais, là, ça rigole plus. Hein. Alors là, là, on va morfler, là. Magicien Majora, à ce qui paraît, voici sa véritable forme avant d'être transformé en masque. À ça qu'il ressemble. Il est moche, hein. On va le calmer direct. Merde. Ah, par contre, c'est pas bon, ça. J'ai plus de... Par contre, si je m'approche trop près, c'est pas bon, hein. Observe bien l'ennemi. Même les ennemis les plus puissants ont un point faible. Trouve-le et attaque au bon moment. D'accord. Va falloir attaquer au bon moment. Ça se fait tard. Impec. D'accord, j'ai compris. Je vais lui jeter ça. Je vais le calmer avec mes flèches. Tiens. Il est nettement plus grand que moi. Hein. Là, pour le coup. Un peu comme Scorn. Ouais, voici le mec le plus horrible. Hein. Aïe. Tiens. Tiens. Ah ouais, ça c'est un combat épique, ça. Moi, j'adore ce boss. Ah, franchement, moi, je le surkiffe. Donc là, c'est la dernière forme, hein. À ce qui paraît, ce masque est une fille. Je savais pas. Ah, franchement, j'ai lu dans un article, c'est une fille. À ce qui paraît. Bon, c'est merde, là. Oui, je l'ai eu. L'ai niqué. Et voilà. Le boss final immaculé, les amis. Yes. Voilà, la vengeance. J'ai niqué. Et voilà. Bonne chose de faite. La lune se désintègre. Hop, d'un nouveau jour, quatrième jour, les amis. Et voilà. La paix est revenue. La lune est détruite. Ah, il revient à lui. Non, toi. Ah, au final, t'es pas si méchant que ça, Sculpted. Je t'ai déjà connu dans Ocarina of Time. Quatre géants.
Les amis, vous ne m'aviez pas oublié? Je suis toujours votre copain? Ah putain, cette musique. Oh. Ah, mais cette musique. Ah, franchement, elle est trop bien. Elle est trop bien cette musique. Vous m'avez sauvé? Ah, je suis désolé pour le bruit les amis. Franchement, je suis désolé. Mais je mets mon son à fond. Je pensais qu'ils ne voulaient plus être mes amis. Mais ils ne m'ont pas oublié. C'est important d'avoir des amis. Héhé. Tu veux bien être mon ami aussi? Hey, tu as la même odeur que ce garçon avec sa fée qui m'avait appris une chanson dans les bois. Ah, ça c'est la référence à Ocarina of Time, les amis. Je sais. Jouons à un jeu. Ah, tu sais, des jeux, j'en ai déjà fait 5. Hein. Oh, alors l'esprit mauvais a quitté ce masque. Ouais, parce que le masque n'est pas détruit en fait. C'est l'esprit qui est détruit à l'intérieur. Ce masque était possédé. Hein. Ah voyons, un masque ne parle pas. Bien, je l'ai enfin récupéré. Je ne fais que passer. Je dois continuer mon voyage. Adieu. Eh ben adieu. Au revoir. Je crois que tu devrais rentrer chez toi aussi. Quand il y a une rencontre, il y a forcément une séparation. Mais une séparation ne dure pas éternellement. C'est le grand cycle de la vie. Elle peut être courte ou longue, c'est à toi de voir. Bon, sur ce, si vous voulez bien m'excuser, ma route est longue, mon chemin sinueux et mon périple ne peut attendre plus longtemps. Ah franchement cet homme. Waouh, mais je remarque que tu as réussi à rendre le bonheur à beaucoup de gens ici. Les masques que tu as sont remplis de joie de vivre. Voilà une bonne chose assurément. Bon, ben, je crois que nous avons tous les deux ce que nous recherchions. Ça va être le moment de se séparer. Tu sais, je t'ai peut-être souvent crié dessus, mais on s'est bien amusé quand même. Bon, je crois que le carnaval va enfin commencer. Pourquoi tu ne t'en vas pas t'occuper de tes affaires? Nous avons un carnaval à fêter. Non, un carnaval. Pff, oh là là, je confonds avec un jeu. Au revoir. Link! Merci pour tout. Et voilà. Et voilà les amis, la fin du jeu. Ah, plus qu'épique. Ah, franchement, plus qu'épique. Ah, vraiment. Et le vendeur le masque a dit une bonne chose, franchement. Il y a une rencontre, il y a forcément une séparation. C'est vrai en plus. C'est vrai. Un peu comme nous, à nos let's play. On rencontre un jeu, et après on se sépare. Enfin, une licence plutôt. On rencontre une nouvelle licence, et on se sépare de la licence. Et après, on la revoit. Un peu comme Zelda, quoi. Voilà.
J'espère que ça vous aura plu, les amis, ce let's play. J'aurais pris vraiment un grand, immense plaisir à le faire. Ce let's play est égalité avec Ocarina of Time, 38 vidéos. Mais normalement, Ocarina of Time aurait été plus long. Hein. Normalement. Mais voilà. Franchement, un très bon jeu. Si vous l'avez pas fait, ce Zelda, il faut vraiment le faire. Ah, franchement, il faut vraiment le faire. Ce jeu, pour moi, c'est une œuvre d'art. Vraiment. Pour moi, ce jeu, c'est un 7ème art. Un peu comme Ori and the Blind Forest, pour moi. Après, il y en a qui vont me dire, c'est de la merde, ce jeu. Il y en a qui vont me dire, je suis pas trop d'accord avec toi, j'ai trouvé bof. Après, il y en a qui vont me dire, t'as tout à fait raison. Voilà. Ça, c'est aux opinions. Et moi, je le trouve excellent, ce jeu. Il est excellent. Voilà quoi, on revoit tout le monde. Ah, les trois squelettes. Donc voilà, du coup, on va pouvoir refermer la page Zelda une fois de plus. Hein. Et la réouvrir. Mais cette fois, ça va me faire un passement au cœur, c'est que nous allons plus revoir le héros légende de la légende. Link, on le reverra plus. Bah oui. Parce que certaines anecdotes, Link repart dans la forêt. Et Link dans la forêt se perd. Et quand un enfant se perd, il devient un Skull Kid. Ou un sac d'os. Donc voilà. Donc c'est au choix. Voilà, le héros de la légende ne sera plus là. Donc il sera mort. On le reverra plus du tout. Voilà. Allez, 5 fées. Ah ouais, il aurait été trop bien ce jeu. Hein. Très bien. On voit un peu tout le monde. Hein. Ah, il aurait été trop bien ce jeu. Ah, j'adore. Je l'aime toujours autant ce jeu. Pour moi, c'est mon Zelda favori. Ah, voilà les amis. De toute façon, un Zelda, on se reverra soit sur le Zelda Wii U, ou soit sur un prochain Zelda. A voir. Mais je pense que ça sera plus le Zelda Wii U. Hein. Je pense. Enfin, on sait jamais. Hey, tout le monde est réuni. Ah, c'est le mec avec sa musique qui nous fait de l'ambiance. Ah, on voit que la paix est revenue. Hein. Ça fait du bien. Ah, le père et sa fille. Ah si, c'est pas beau. C'est pas mignon. Ah oui, j'avais oublié. C'est vrai. L'événement. Cette fameuse quête. Ce mariage. Ah oui, vu que le quatrième jour. Temps d'officialiser le mariage. Café et Anjou. Lui, ça aveugle les yeux, Tingle. Le fameux Tingle. Donc voilà, c'est chose faite, hein, Majora's Mask fait à 100%, je suis très content. Ah ouais, je suis très très content, j'ai réussi à le faire à 100%. Ah, la musique du début. Là, vous voyez, ça, c'est le père. Hein. C'est le père, le majordome Mojo. En fait, s'il pleure, en fait, ouais, il pleure, il est déprimé. C'est parce que c'est son fils qui nous avait parlé, que Link, qui nous rappelle bien son fils. Et ben, son fils est mort, malheureusement. Donc, nous revoilà. Ah, ça me fait triste de l'admettre, mais voilà, Link, on le reverra plus. On verra plus le héros de la légende. Ouais.
On va passer, on passera place aux descendants, les amis. Mes descendants sont tous aussi cool. Et donc là, ça va se finir. Sur une magnifique photo. Link et Skull Kid. Et bien sûr, en bas, les quatre géants et les deux fées. Ah, c'est magnifique. Le chant de Saria. Il va très bien, ce chant. Voilà. Voilà, c'est vraiment tout ce que... Voilà, bah après, il va m'en remettre normal. Hein. Voilà, merci de regarder ce Let's Play, les amis. N'oubliez pas la vidéo bonus dans quelques jours. Et on passera plus tard à autre chose. Voilà. Allez. Bye tout le monde! Here.